Bonjour, nous sommes actuellement sur cette 107 qui a été déposée par la cliente qui nous a informé d'un défaut de vibration au niveau de la roue et enfin de l'avant, en tout cas des trains avant, et en même temps des bruits parasites. Alors on fait un contrôle et comme vous pouvez voir, le pneu, il est déformé, il s'est même arrêté au niveau de la déformation qu'on voit très bien ici. Voilà, c'est pas droit. Et en plus de ça, on a ici donc les témoins d'usure. Il reste quelques millimètres. Le pneu, il est en train de s'ouvrir, si vous arrivez à voir. Voilà, et puis il est craquelé. Donc il est mort. Comme d'habitude, c'est un pneu Michelin. Voilà, ça arrive très souvent sur les Michelin. Alors, certes, il peut être âgé, mais le pneu, donc là, ici, à l'avant, il est quasi mort, donc il n'y a pas de problème. Par contre, on va à l'arrière. Et là, les pneus, c'est pareil, c'est du Michelin. Et il commence à craquer aussi. Et le problème, c'est que là, le pneu, il est seulement à mi-usure. Donc, du coup, c'est bête de changer des pneus qui sont à mi-usure seulement. Donc, moi, ce que je vous conseille, au lieu de mettre des pneus qui sont durs, vous mettez des pneus tendres. Comme ça, vous allez gagner en tenue de route. Et en plus de ça, quand ils seront vraiment usés, ils seront tout juste en train de commencer à craqueler. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'était la petite info du jour. Vous verrez les photos, on a fait un petit contrôle visuel sur le véhicule pour savoir s'il n'y avait pas du jeu dans les trains roulants au niveau des moyeux, des roulements, mais aussi des triangles. Et tout paraît ok. Voilà, donc il n'y a pas de travaux à prévoir. Tout paraît bon. Le caoutchouc là-bas, il commence à craquer un petit peu ici. Voilà, mais il n'y a pas de jeu encore anormal. Donc on va dire c'est juste l'extrémité du caoutchouc. Et au niveau des triangles et des soufflets, tout est bon pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça pendant très longtemps non plus. Hein. Mais en tout cas, là, pour les frais, on limite la casse. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour un petit devis, n'hésitez pas. Là, sur le coup, la cliente, elle pourra témoigner. C'est un devis totalement gratuit qu'on lui a fait. On lui fait donc le devis pour les pneus. Hein, en fait, le diagnostic, il est gratuit. Et on lui fait le devis pour les pneus. Et elle pourra comparer à droite et à gauche. Sachant que en termes généraux, nous sommes pas mal situés sur les pneus en termes tarifaires. Parce qu'on arrive à être moins cher que les centres auto comme Feu Vert, Noroto et compagnie. Voilà, je vous dis à bientôt. Thank you.